Si les lèvres peuvent s'approcher. Salut Stéphane. Est-ce qu'il est mal? Ou est-ce que reconnaissant ton Dieu, il faut lui rendre un témoignage. Alléluia. Nous allons partir déjà avec le témoignage de la sœur Dadie Sandrine. Qu'est-ce qu'elle avait et comment elle a obtenu la délivrance? Avant, elle était sorcière. Oh, elle est à Koukamouro. Oh, elle est à Koukamouro. Et puis on est passé à Abidjan. Quand on est passé à Abidjan, dans une église évangélique, quand on est passé là-bas, ouais, mais c'est bien, c'est passé là-bas, il y a fait dormir tous les pasteurs qui étaient là-bas. Il y a eu contact dans les oreilles. Il y a vu quelque chose dans la prison, il n'y avait pas Dieu là-bas. Ouais, c'est là-bas, il y a quoi? Parti encore dans une deuxième église encore. Et puis là-bas, il y a essayé. Oh, bien sûr, oui, c'est le bon. Il a frappé là-bas. Et puis maintenant, il me suis retenu à Gagnon. Mais aussi qui est rappelé.
à voir au Jésus. Qu'est-ce que Jésus a pu faire dans sa vie? Jésus a fait de mauvaises choses dans ma vie. Il y a même ma belle-sœur qui était aux États-Unis. Elle a vu le prophète sur l'internet. Et elle m'a fait appeler de venir chez lui. Et je l'ai expliqué le problème. On est parti dans le village de Mombo. Et on a été là-bas. On a prié. Il a fait ce qu'il a à faire. Et on est venu. Il est arrivé sur la route et s'est retourné. Le lendemain, on ne s'entendait pas. C'était la veille 10h. On voit le prophète arriver. Quand il est arrivé, on était là. Moi, avec ma grande soeur et mes belles, on était assis là. Il y avait un vieux là-bas. Donc, on l'a trouvé là-bas, le vieux était là. Quand le prophète est venu, on lui est venu asseoir dedans le salon. Il n'a pas voulu asseoir au salon. Il est resté au dehors. Et nous tous on était au dehors, sur le banc. Et là, il a envoyé huile. Il y avait 4 bouteilles d'huile. Et il a versé les 4 bouteilles d'huile. Il a fait la prière. Il a versé les 4 bouteilles d'huile. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il a dit que... Il a dit qu'il n'est pas venu attraper son sorcier, mais il est venu faire la prière. Et quand il a fini de faire la prière, et il a dit au Dieu, ce qui est en toi là, il faut enlever. Mais tu es un sorcier. Et tu dis, je reconnais que je suis sorcier. Mais ce qui est dans moi, je ne peux pas laisser. Et il a dit au vieux, si tu n'as pas laissé, tu vas mourir. L'année ne va pas arriver, tu vas mourir. Et le vieux a dit que lui ne peut pas mourir. Et il a l'habitude de faire ces choses. Il n'a pas le tuer. Donc c'est ça, le prophète a dit ça. Il a laissé lui. Le vieux a dit, il faut verser aussi sur ma tête. Il dit, moi je ne touche pas. Et je m'en vais. Il n'a pas touché. Après là, il a dit au prophète de le saluer. Il a dit non, toi je ne te touche pas et je ne te salue pas. Mais quand je vais partir, je vais te donner des jours. Que tu vas voir ce qui va se passer. Ça maintenant, il est venu. Le docteur aussi, on est venu. Quand il est venu, un mois après, il est décédé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu rendre ma témoignage. Je suis arrivé dans mon village au campement, et je suis arrivé là-bas. Ma marraine me dit que pourquoi toi maintenant on ne peut plus t'approcher à côté de toi. Que avant quand tu venais, je partais m'asseoir à côté de toi pour mais maintenant je ne peux plus m'approcher de toi. Je lui ai dit, vraiment tu n'as rien vu encore. Aujourd'hui je suis venu dans ma tête. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voici ce que Jésus peut faire. Alléluia. La délivrance était dit. Dans le cas où le plus bel jour de la sorcellerie, on en voit en Mauritanie. Et tel a été le cas de l'homme de la femme. Amen. Nous allons partir avec le dernier témoignage. C'est celui de Nabo Christel. Qu'est-ce que Jésus a pu faire dans sa vie, Nabo Christel? Je remercie Dieu. Enfin, Je lui ai expliqué mon problème. Et c'est là où il y a ce mot. Et sa
acheté lui, il a prié sur lui et Dieu a béni. Et moi aussi j'ai demandé à Dieu, que Seigneur, j'étais malade. Quelle maladie? J'ai un problème de fou. Dieu t'a guéri. Oh Dieu, c'est la gloire. Oui, Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Alléluia. Bon, tout pourquoi nous vous recommandons l'huile, l'huile d'onction. Alléluia. L'huile consacrée par le prophète Jean Crasso. Amen. Tous, nous allons nous tenir debout. Amen. Seigneur Jésus possible. Alléluia. Tu rendras un jour témoignage en puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Alléluia! Alléluia! Il est un instrument entre les mains de Jésus. Et lorsque lui partit, Jésus passe de conférer son nom. Alléluia! Et il a été consacré point pour la destruction des yeux de la sorcellerie. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai l'honneur ce matin de te présenter le prophète Jean Crasso. Shalom! Est-ce que tu as fait le prophète? Plus fort, plus fort! Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour n'est-ce pas ta présence. Nous voulons te bénir, Adonai. Merci de nous faire du bien au travers de ta présence. Et nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de la vie? Il y a quelqu'un de son côté que Jésus est vivant. Amen. Les femmes ont eu de la peine à constater que Jésus était dans le tombeau. On ne peut pas accepter ça. Et pendant qu'elles sont allées là, le tombeau de Jésus, les hommes vont se révéler aux femmes pour dire pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi vous. Jésus n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Oui. Alléluia. Amen. Comme il est ressuscité, il est capable. Il peut encore te guérir. Il peut encore te délivrer. Amen. Jésus peut encore te guérir. Il peut encore te délivrer. Dis Amen. Amen. Et vous asseoir que Dieu vous bénisse. Amen. Nous reprenons nos activités. Je salue tout le monde. Amen. Après un bon moment de pause au niveau des enfants. Il fallait organiser certaines choses. Il a un bout d'aujourd'hui. Et ça nous a amené à voyager un peu. Il m'a bien fait ça. Deux semaines d'absence sur le territoire. Il a bien fait ça. Afin de pouvoir aider nos bien-aimés. Nous avons compris que nous sommes très suivis à l'esprit. Au travers de nos éléments vidéo. Le Seigneur a dû sauver beaucoup de vies. Et des gens ont été délivrés, Et la conversion des âmes. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous avons rencontré les frères congolais, de la diaspora, que nous avons aidé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous avons eu un bon moment au Maroc. Sûrement à Rabat, dans la ville de la capitale de Maroc. Vous savez qu'il est le nord de l'Afrique. Cela avait venu toute la grande civilisation d'Égypte. Cela avait parti tout. Et toutes les grandes choses viennent du nord. Vous avez constaté que même que la guerre vient du nord. Cette partie de l'Afrique a été négligée. Le nord était chrétien avant. Oui, mais aujourd'hui c'est musulman. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Comment faire pour faire entrer nos parents, nos amis? Nous avons rencontré des bien-aimés pour lesquels nous avons prié. Il y a eu des grandes délivrances. Des vies qui ont été sauvées. Et à
Amen. Amen. Nous sommes maintenant de retour. J'annonce encore qu'en août, nous allons faire notre programme. Voilà, nous allons faire, en août, nous aurons encore notre programme à Rabat. Ça va être du 26 au 30 août. Donc vous pouvez déjà appeler des personnes telles que Paul. Vous avez un frère de Zaroko qui est au Maroc, qui est celui qui s'occupe un peu de l'organisation au niveau du Maroc. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous avons un seul message. C'est que le diable vous lâche et que vous rentrez dans votre destinée. Et ça, c'est vraiment important. Le diable doit te libérer. Ça ne se discute pas. Amen. Il doit te libérer. Il est là, okay. Si y a quelqu'un, le diable doit te libérer. Amen. Amen. Ouais, il faut que le diable te libère. Il a deux autres. Je suis venu donner une parole à Satan. Donne une parole au diable ce matin. Pour qu'il te libère. Dieu s'est révélé à Moïse, a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je t'envoie libérer Israël. Je t'envoie libérer Israël. Pour qu'Israël entre dans sa destinée. Amen. Dieu va vous libérer. Parce que c'est son plan. Jésus dit à la croix, tout est accompli. L'accomplissement de ton miracle. L'accomplissement de ta guérison. L'accomplissement de ta délivrance. Amen. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, attends-toi ta délivrance. Amen. Dis à quelqu'un, attends-toi ta délivrance. Répète encore, dis à quelqu'un, attends-toi ta délivrance. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Je veux voir les hommes révoltés. Tu n'es pas encore marié. Tu ne dois pas accepter. Tu n'as pas encore de travail. Ton voyage est bloqué. Tu vas te révolter contre la situation. Alléluia. Amen. Amen.
Get me out of the world, I'm not going to go.
nations qui acclament Jésus. Jésus. Aïe, la gamoya, gamoua.